Bien salut tout le monde, c'est Lunatic et donc aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo assez spéciale car on se retrouve pour une nouvelle série que je vais lancer donc spécialement faite par moi. Donc ça va être les Spot Snipers. Comme vous pouvez le voir, je suis armé de mon petit DSR et donc oui, les Spot Snipers sur différentes maps que je vais vous montrer. Je vais vous expliquer différents trucs et donc voilà, on va commencer sur Slums, j'en ferai sur Cargo, Meltdown, sur des maps vraiment bonne. Et puis donc voilà, donc ça sera plus souvent des spots en début de partie. Donc on va débuter sur la map Slums. Attendez, je vais vous les montrer au fur et à mesure, je vais expliquer. Donc il y a ce premier là, vous voyez la petite camionnette bleue, vous allez sauter et sauter, vous allez sauter en fait devant le poteau là, ici, parce qu'il va vous aider amplement à monter. Donc attendez, je vais essayer de le faire. Attendez, parce que ça sera, c'est pas du premier coup. Voilà. En fait, vous sautez devant le poteau et comme ça, il vous fait un appui et puis vous pouvez monter facilement. Donc, vous venez ici sur la camionnette et par exemple, ici, vous voyez, là, il y en a qui campent au sniper. Et donc, en début de partie, ça, c'est nickel quand vous le réussissez bien. Si vous ne mettez pas une minute à monter, c'est super bien. Donc, on a ce premier spot, comme vous pouvez voir. Après, on en a un deuxième. Ça, c'est plutôt du début de partie. Hein. Tous ceux que je vais vous montrer, les trois premiers. Or, vous montez là-dessus, vous accroupissez. Et ceux qui sont sur PC, vous pouvez rajouter un petit truc, vous pouvez vous pencher. Et donc vous êtes vraiment à la limite de la camionnette, là, de la Jeep. Et vous voyez vraiment bien le bleu. Voilà. Après j'ai un autre petit spot. Ici, vous montez sur le muret, vous accroupissez comme le spot précédent. Et là, vous penchez aussi pour être pile poil comme ça aussi. Ça fait un petit spot. C'est toujours des bons petits spots à savoir. Voilà. Je ne sais pas si c'était celui-là, bah après on en a plusieurs. Ça c'est des trucs très simples à trouver, mais des fois on n'y pense pas, on passe juste à côté comme ça. Bon, vous montez là-dessus, vous visez comme ça, et souvent il y en a qui sont avec leur AN comme ça, ils couvrent middle, ils couvrent la statue, ou les êtes là, voilà. Tous des trucs comme ça. Il y a celui-là aussi, normalement. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait là. Voilà, il y a vraiment une bonne vue. On va passer dans bleu. Attendez, c'est quoi le cut? Parce que en fait c'est. Mes touches elles sont pas très très bien. Voilà. J'ai perdu ma touche. Donc après, pour celui-là, vous pouvez monter sur ici, là, c'est la bombe B. Ouais, c'est la bombe A ou B. En recherche et destruction, vous mettez ici. Ça c'est du cours de partie. Hein. Voilà. Vous avez ici. Voilà. Après, ça c'est des spots très simples à savoir. Il y a celui-là. Pour. Attendez, je vais vous montrer celui-là aussi. Après, ça c'est plutôt des spots début de partie, mais ça c'est des spots sniper un peu campeur. Après, il y en a des un peu plus difficiles, des un peu plus recherchés. Vous pouvez vous mettre là. Voilà. Vous pouvez viser un peu entre. En allongé, j'avais même pas essayé. Non, ça marchait pas trop. Donc c'est plus ici, voilà, dans le trou. Il y a plein de trucs comme ça. Vous pouvez monter ici aussi. Vous allongez, vous êtes un peu confondu dans le truc. C'est super bien ça aussi. Voilà, après il y a la position allongée, par contre elle est bloquée. Il y a plein de trucs comme ça en tout cas. Donc sinon on va passer à celui-là. Après ça c'est pour les prochains. Après vous pouvez en voir plusieurs. Il y a ici là-bas. Vous pouvez voir. Vous pouvez voir un peu Jeep, mais ça c'est des trucs très simples à trouver, mais bon ça peut servir. Il y a ici aussi. En début de partie, vous respawnez là-bas. Vous arrivez, vous sautez là-dessus. Vous sautez, vous voyez la porte. Et en cours de partie, vous abaissez ou vous sautez et vous voyez bleu. Donc ça, c'est des trucs franchement super bien à savoir. Super bon à savoir, désolé. Après, on a des autres spots. Je vais vous montrer, c'est pas fini. Hein. Donc vous montez sur la camionnette, vous montez sur le trottoir parce que comme ça, it's impossible. Donc vous montez sur le trottoir, vous montez sur la petite camionnette. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez les campeurs qui sont derrière la roue. Et un petit headshot, un deuxième headshot. Et voilà, lunatique. Après, on a ici, vous montez sur le truc orange. Ça c'est de la balle. On a fait des recherches avec la team. Et puis, donc je les montre. Voilà, là, ils nous ont fait le petit chemin. On dirait qu'ils ont fait exprès la petite truc. Chut, allez, on a tout bleu. Et puis voilà. Donc ça, c'est... Après, ça dépend. Cours de partie, début de partie. Ça, c'est tous des trucs très différents. Ah oui, voilà, celui-là. Aussi vraiment super, celui-là. Vous montez là-dessus. Pour sauter là-dessus, parce que sinon vous pouvez pas sauter direct. Toc. Et là. Attendez, voilà. Vous voyez, il y a le petit muret. Il y en a qui campent statue là-bas. Il faut que je bouge un peu pour pouvoir bien sauter. Là. Et il y a le petit muret. Après, je réfléchirai un peu.
On a quoi après? Bah sérieux, c'est juste des petits trucs de camp, y a pas grand chose. Et donc ouais, pour Slum, je crois que c'est tout. Bah ouais, c'est tout. Attendez, après y a juste un truc, si j'y arrive, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être bénéfique pour vous. Ici, vous savez, quand vous collez, quand vous montez, ça vous fait descendre automatiquement. Et bah j'ai une technique, si j'y arrive, elle vous fait pas descendre et donc vous voyez toute la ligne là-bas. Attendez. Voilà, vous sautez quand vous êtes un peu loin. Et là, vous voyez comme ça. Ça, c'est un truc que j'avais calé en début de partie et tout. J'étais venu middle, j'avais vu ça. Et voilà, en tout cas, c'est super bien. Vous pouvez être caché là, vous... Voilà. Donc, en tout cas, ben, j'espère que j'ai fait le tour des spots. Et puis, j'espère vous avoir appris 2-3 trucs. Là, on peut voir le spawn, mais c'est pas... J'espère vous avoir appris 2-3 trucs, comme je viens de vous le dire. Et ben, on se retrouve pour le prochain spot qui va être sur différentes maps. Ben, justement, je vais vous dire de voter entre Cargo et Meltdown. Même si Meltdown, elle est pas très aimée cette map, mais bon, il y a des super bons spots. Vous y pensez pas, mais il y en a des très bons. Donc voilà, alors c'est soit Cargo ou Meltdown, votez dans les commentaires. Et donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Allez, ciao!